Ouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque deux fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'il s'apprêtait à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé. Mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, deux yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore, des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure, ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha ! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyons de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaque active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tarsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé.
Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque, c'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourraient être piégés à l'intérieur ? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète ? Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres, qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait ? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale.